La décision, elle est très simple. C'est dire Omar Ampoy-Boyan a été acquitté. Ils ont infirmé la décision parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il a été condamné à perpétuité en première instance. Et la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas coupable. Donc Omar Ampoy-Boyan est acquitté. Personnellement, je suis très satisfait parce que je défendais Omar Ampoy-Boyan. Donc c'est pour lui que j'étais constitué. Et j'étais convaincu qu'il n'était pas coupable. Mais cependant, la décision a été confirmée relativement à la complicité d'assassinat pour Redé Capin-Bassem. Et la peine de réclusion criminelle à perpétuité a été confirmée également. Mais cependant, il dispose d'un délai de 15 jours pour pouvoir faire appel et puis contester la décision. Bon, en fait, ce qui reste pour lui, c'est le pourvoi en cassation. Mais il va falloir que l'on puisse avoir la motivation de la Cour relativement à la décision qui a été rendue, pour apprécier de l'opportunité d'introduire un pourvoi en cassation. Mais on attendra. Peut-être la décision sera disponible dans les prochains jours.